Aujourd'hui, j'ai été vraiment surpris de voir cet accueil chaleureux que le centre Kassayan ont réservé à leur fils digne, en la personne de Joseph Moïse Kamboulounkonko. Mais écoutez, moi, en tant que rapporteur de l'Association des intellectuels de Kazumba, je ne sais pas vraiment exprimer mes sentiments ici, du fait que l'accueil que j'ai vu mes frères et sœurs de Kazumba venir accueillir leur frère digne fils de Kazumba, le notable Joseph Moïse Kamboulounkonko, vraiment, ça m'a tellement ça m'a tellement aidé. J'étais très content. Et j'avais compris que le message de sensibilisation que nous avons passé par toutes les chaînes de radio, et même par notre groupe, j'ai compris que les fils et filles de Kazumba avaient très bien reçu le message. Ils étaient très nombreux et nombreuses d'accueillir notre frère Joseph Moïse Kamboulounkonko. Alors, vraiment, c'est un pari gagné pour nous parce que la chose a été déjà faite. Laissez-moi vous dire que le discours de l'Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Joseph Moïse Kamboulounkonko, c'est un discours qui a rencontré l'intimat de toute la population centre-kassayenne. Dans le sens que la population centre-kassayenne attendait du gouverneur la réalisation, la concrétisation du projet, donc de la construction de la route Kananga-Kanambambouji, Kananga-Chikapa. Et c'est tout ce qu'il a dit dans son discours. Il a dit que le développement du Kassa central, c'est bien aujourd'hui. Donc dès qu'il est déjà là, cette route sera très bien faite aujourd'hui et tout va commencer, va aller de l'avant. Il n'y a rien qui va encore traîner. Et c'est ce qui m'a beaucoup moi-même satisfait de comprendre que cette route d'espoir du centre Kassayan, longtemps attendue, aujourd'hui, elle va être concrétisée. Cette route va être donc construite pour l'intérêt de la province. Le message que lance à notre population, c'est de soutenir nous tous, notre gouverneur Joseph Moïse Kamboulounkonko, qu'on se mette main dans la main, bras dessus, bras dessous. Cette population du Kassan central doit aimer le gouverneur, doit accompagner le gouverneur. Je lance la donc un cri d'alarme à ma population, ma base de Kazumba, qui m'écoute en ce moment, de soutenir, d'accompagner notre fils digne de Kazumba, de manière que aujourd'hui ou le lendemain, nous puissions vraiment nous frotter le mets sur les lèvres. Donc je pense que le gouverneur Joseph Moïse Kamboulounkonko n'a pas droit à l'erreur.